J'étais fier parce que je sais que parmi les 3 milliards que j'avais en les respectant avant de quitter, je sais que ceux que j'allais laisser derrière moi, eux vont sauver des âmes, plus que 3 milliards. Mais dans le rêve, j'ai vu que c'est seulement que 1 million qui sont venus. Et j'ai là. Et j'ai ceux que j'ai mis derrière moi. N'as-tu pas travaillé? Et c'est seulement que 1 million qui vont venir. Les gens étaient fiers, les gens étaient fiers que les saints sont arrivés. Oh, enfin! Oh, la trompette a sonné. Oh, Seigneur, merci que les saints sont venus. Je n'étais pas fier. Je n'étais pas content. Le Seigneur est venu s'asseoir. Les gens étaient fiers. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ. Quand il m'avait encore repris avec la main droite, main dans la main, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont venus, ce sont 1 million. Mais Seigneur Jésus-Christ, les 3 milliards, avant de quitter, il y avait 3 milliards qui étaient prêts. Pourquoi 1 million sont venus? Seigneur Jésus-Christ. Les gens priaient. Et je leur disais que tu ne m'as pas dit de prier pour que les gens meurent pour venir au ciel. Que celui qui n'a pas la foi ne peut pas te suivre. Et celui qui n'a pas foi ne peut pas être digne. Mais Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui a fait que les autres sont restés? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais celui que j'ai laissé derrière, celui qui était derrière moi, je ne l'ai pas vu. Où est-il? Parce qu'au ciel, tout est su, à l'insu, à la seconde. Au ciel, tout est vraiment calculé. Celui qui était derrière moi avant que je vienne au ciel, ceux sur qui nous ne comptons pas, hein, nous nous battons pour que Dieu les fasse grâce. Et ce sont eux qui sont venus. Où sont les autres? Qu'est-ce qui est arrivé? Et le Seigneur Jésus-Christ m'a montré un écran, une vidéo. Écoute-moi très bien. Écoute ce qui est arrivé. Quand j'étais au ciel, quand l'écran est venu, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que celui qui était derrière moi, il leur disait qu'ils doivent respecter ce que le Père des Nations a laissé avant de partir. Qu'ils doivent suivre les principes et faire tout possible pour voici encore des saints parmi les enfants de Satan. Et ils auront le courage que partout le Seigneur Jésus-Christ va y faire du bien. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent. Il y avait tout pour faire l'œuvre de Dieu. Ils avaient tout à leur disposition. Mais quelque chose s'est passé. Quand le Père des Nations est parti, ceux qui le Père des Nations avait laissé à leur poste, celui qui était derrière moi, quand il est venu, il a tout changé. Quand tu ne fais pas bien, il te change pour t'amener ici. Il a changé tout le monde. Il a changé beaucoup de choses. Les gens étaient énervés. Les gens étaient rancuneux. Ils se sont levés contre lui. Et ils ont commencé à dire, quand le Père des Nations est parti, tu étais fier et tu priais qu'il parte. Tu utilises les choses du Père des Nations, sa voiture, ses avions. Tu les as pris comme tes propriétés. Et il leur a dit, si nous ne les utilisons pas, le Père des Nations n'est plus là, il est déjà parti. Nous allons les utiliser. Nous sommes derrière. On va l'utiliser pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. L'avion qui n'a jamais existé. La voiture qui n'a jamais existé. On va l'utiliser pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit, non, 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 non. On connaît tes pensées. Parce que ta pensée est que, comme le Père des Nations n'est plus là, et que c'est toi qui es à sa place, comme tu as des enfants, tes enfants et tes générations, comme la trompette n'a pas encore sonné, tu vas remplacer les gens, tu vas donner ceux qui t'aiment des grands postes, et tu vas mettre les gens à notre disposition pour nous sonder. Et maintenant, nous, on ne va plus te donner la dîme. Nous allons donner la dîme à la femme du Père des Nations et sa famille. Et ce que Dieu lui a dit, c'est ce qu'on va faire. Ce n'est pas toi que Dieu a appelé Père des Nations. Tu veux que nous, on t'appelle le Père des Nations? Regarde comment est-ce que c'était t'appelles papa, 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 daddy, daddy. Et il y avait eu du bousculage. Il a voulu les amener aux raisons. Et ils ont refusé. Je voyais tout. Je voyais tout. Et il leur disait, bien-aimé, quand le Père des Nations voulait partir, il m'a donné des conseils. Que si quelqu'un ne fait pas son travail, si vous remarquez qu'il aura dans le mot de l'argent, enlevez-les. Même lui-même qui est là-bas, si qu'il y a quelque chose qui arrive, qu'ils ont remarqué que ce que celui-là fait ne sera pas bon, changez-les.
Quand c'est le Père des Nations qui l'a dit, alors c'est sur ces choses-là qu'il marche. Ils ont dit non, 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 non. On te connaît très bien. Tu pries que le Père des Nations parte. Quelqu'un parti au ciel, toi tu es fier qu'il parte pour que tu viennes le remplacer, rester à sa place. Tu es fier, on te connaît. Tu es orgueilleux. Tu es un homme orgueilleux. Tu es dur, tu es méchant. Tu es trop dur, tu es insupportable. On ne peut pas te supporter. Pourquoi Dieu a enlevé le Père des Nations? Non, 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 non. Dieu ne devait pas enlever le Père des Nations. Dieu ne devait pas enlever le Père des Nations. Il a mis ce barbare derrière nous. Celui qui est méchant, il n'a pas le cœur. Il est plus que Satan. Les mots, il lui chantait des mots. Et il était énervé. Il voulait les convaincre. Maintenant, comme ils ont commencé à l'insulter, il a giflé quelqu'un. Et cette personne l'a encore giflé. Et puis, la trompette a sonné. La trompette a sonné. Ils sont restés. Ils sont restés. C'est pas une journée après moi. C'est comme des mois ou bien un an, deux ans. Je ne sais même pas. Mais quand j'étais parti au ciel, je ne sais même pas le nombre de jours que j'ai fait avant que les saints sont venus. Avec les joies, tout cela. Je ne sais pas si j'ai fait un an, un jour, deux jours, trois jours. C'est le Seigneur Jésus seul qui a la lumière dans tout le pays. Je ne sais pas, mais je sais que sur cette terre, quand j'ai quitté, ça peut faire des jours. Et il y avait des murmures, et des gens étaient rancunés. Certains sont de son côté, certains ne vont plus le suivre, certains veulent suivre les vidéos du Père des Nations. Ils ont fermé leurs yeux, qu'ils ne sont pas venus en Israël spirituel, que quelqu'un va les diriger. Ils ont laissé tout, ils sont venus en Israël spirituel. Pas que quelqu'un vienne les dominer ou bien soit président pour eux. Il y avait une division. Satan a tremblé Israël spirituel. C'est comme une mangue. Les mangues qui sont mûres sur un manguier, on les remue et que les murs tombent. C'est comme ça que Satan avait utilisé la stratégie. Et hey, les gens commençaient par crier, pleurer. Hey, je ne suis pas parti. Avant que le Père de la Nation soit enlevé, certaines personnes, après, ils ont cru que vraiment celui-là, tout ce qu'il disait venait de Dieu. Alors, il était un homme de Dieu. C'est là, se sont repentis. Mais certains ont toujours gardé leur position en disant qu'ils ne croient pas. Que même si le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu, ils ne vont même pas croire. J'ai déjà dit qu'il y avait 4 milliards d'enfants de Satan sur cette terre. Satan a donné naissance à 4 milliards. Ces 4 milliards ne vont jamais croire en Jésus-Christ. Alors, c'était une douleur. Et celui-là les encourageait. Il a commencé à les encourager. Ah, Satan va venir. Il va prendre 3 ans et demi pour faire la paix avec nous. On croit que c'est lui le Messie. C'est maintenant le temps. Il a commencé maintenant à les fortifier. Bien-aimés, ne nous jugez pas les uns les autres. Le Père des Nations nous avait dit d'avance que nos parents, nos familles sachent que s'ils ne nous croient pas, la trompette va sonner. S'ils ne nous croient pas et après tout, nous partons, alors, tout ce que nous leur donnons, les mèches ne sont pas bons, les pantalons, tout ça là, les fornications, tout ça là, l'orgueil, l'impolitesse, toutes ces choses-là, s'ils ont su finalement que ce que le Père de la Nation a dit, 14h, 12h, 2h, 2h30, 5h, 1h, avec 30 minutes, s'ils ont su tout cela, est vrai qu'ils se repentent. Toi aussi, qui es le fils du Père des Nations, le Père des Nations nous a dit de partager le message avec nos familles, que nous ne pouvons pas sauver les autres personnes et ne pas sauver nos familles. Tu ne peux pas sauver les autres âmes et ne pas sauver tes familles. Le Père des Nations nous avait dit que nous avons fait tout ensemble, nous avons fait tout possible pour prêcher à nos parents. Alors, nous ne devons pas nous accuser les uns les autres. Il y avait des pleurs partout. Oh, et vous l'avez, oh, c'est fini pour nous, hein. C'est celui-ci qui a fait que je ne suis pas parti, oh, c'est celui-ci, oh, pourquoi j'ai parlé, oh, il fallait que je sois de mon côté, oh, Père des Nations, on t'avait dit, prie pour nous, pour que nous puissions mourir, quelque chose nous disait qu'après ton départ, quelque chose va se passer. Parce que quand tu étais là, c'était difficile. Mais comme Dieu a empêché Satan de te toucher, s'il te touchait, Dieu a voulu le détruire le même jour. Oh Père des Nations, tu nous as laissé, tu nous as fait la promesse que nous allons venir au ciel. Mais regarde tout cela, on est resté où? La crie, la pleure partout. Oh, ouais, et bon, c'est fini pour nous. Et voilà, mais oh, on est pris, oh.
Est-ce qu'on peut prendre ça? Est-ce qu'on peut acheter notre âme avec notre propre sang? Et celui qui était derrière moi les fortifiait en leur disant, silence. Les 3 ans et demi que Satan va prendre pour faire la paix avec le monde entier, prenons tout ce que nous avons comme nourriture. Toi qui peux rentrer dans la brousse, rentre. Il est en train de les partager 2 à 2. Toi, un faible avec un fort. Des faits informes avec un fort. 2, 2, 2, 2, 2. Il les divisait, il les partageait, il les partageait. C'est maintenant le temps, bien-aimé. Nous devons être comme des cabris morts. Si la trompette a sonné, on n'est pas enlevé. Nous devons nous faire comme des cabris morts. Si on prend un couteau pour couper la tête de la chèvre, peu importe si on va le mettre dans le feu, si on le met dans l'huile haut, si on le met dans la sauce, même si ça bouille, on l'a découpé en morceaux, oh, il n'aura même pas eu peur. Comme les Ivoiriens le disent, cabri mort n'a pas peur de couteau. C'est comme ça qu'eux aussi vont faire. Que Satan va faire du mal aux gens, qu'ils vont faire tout possible dans leur cerveau de ne pas démissionner. Car le Père de la Nation nous avait dit, premièrement, que si nous disons les paroles aux gens et les gens se repentent, nos familles aussi doivent écouter le message parce que la trompette va sonner. Ils disent non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais s'ils ont reconnu finalement que c'est de la vérité, après la trompette, si nous avons cherché qu'ils se repentent, alors fortifions-les, que c'est vrai ce que le Père des Nations nous avait dit. Alors lui, il les fortifie de ne pas s'accuser les uns les autres. L'erreur vient de tous. Je vais vous donner un exemple. Quand j'allais au CG Calao, nous avons un directeur qui s'appelle Calao. Il est barbare. Il avait planté des mangues greffées. On avait un champ de mangues greffées. Nos grands frères avaient mis en place ce champ de mangues greffées. Nous amenons ces mangues au marché sans même manger les mangues. On a su qu'il est trop dur. Il est devenu comme président également. 30 ans de direction, on ne le change jamais. On ne l'a jamais muté, il est toujours directeur, 30 ans dans la même ville. Tu ne peux même pas toucher les mangues. Vous pouvez aller au champ scolaire, vous n'allez rien toucher. On a fait un groupe de 25. Chacun avait un sac à sa main. On était parti dans la nuit, on prenait les mangues. On était très, très fiers. Après avoir pris les mangues, oh, il avait pris un gardien pour le champ. Il avait pris un gardien. Le gardien parti amener les chaînes du directeur Kalao. Si tu vois la manière dont les chaînes nous ont chassés, nous avons tous laissé les mangues. Nous, on ne savait pas. On ne nous a pas arrêtés. On croyait que tous ont échappé. Mais on a arrêté quelqu'un parmi nous. Le matin, on était venu. On a commencé à appeler les noms. Un, sous le mât. On nous a appelés. Tous, on est venus, on a dit, Ah, ils savent que nous qui avions volé les banques, c'est nous ça. Hein? Il y a quelque chose qui s'est passé. Je te le dis pour que tu comprennes quelque chose. Ou bien on nous a arrêtés. Non, il manque quelqu'un. Alors on a fait sortir notre collègue. On lui a donné 45 coups sous le main. Monsieur Tepor, notre surveillant, il a donné 45 coups avec des chicottes. Ceux qui m'écoutent, si tu as fait le seul dernier Kalao, monsieur Teporte, il a pris du chicot. Et celui qu'on a pris, on l'a donné, on l'a pris comme par avion, on l'a donné 45 coups. Il criait, il a pissé, il a chié dans son pantalon. On frappait les gens. Tous sont passés. À mon tour, je leur ai dit non, que personne ne me touche. Bien-aimé, si tu vois que le sang de Jésus-Christ n'est pas suffisant pour toi, ce n'est pas moi qui ai semé la mangue là, mais je voulais la manger. Maintenant, je vais acheter cette mangue là avec mon sang, mais je ne vais même pas manger la mangue gratuitement. La manière dont on tenait les gens, j'ai dit non, ne me tenez pas. Je m'étais couché sur le banc. On me fessait. J'ai vraiment fait gonfler mes fesses. On me tapait.
Partout, je me suis concentré. Tout mon corps était dur. Je comptais. Jusqu'à ce que les 45 coups de finissent. J'étais parti vers le surveillant, monsieur Tripoli, je lui ai dit merci. Hein. Monsieur le directeur, merci beaucoup. Hein. Monsieur le directeur, merci. Hein. Je ne ferai plus. Hein. De là, je pleurais. Ah, vous voulez? Non, jamais. C'est Kofi qui est parti nous saboter. Mais je n'accuse pas, Kofi, pour lui dire que c'est toi qui as fait ça. Non, je n'accuse pas. Que non, je ne veux plus faire. Même avec 1 milliard, je ne veux plus aller. Mais à partir de ce jour-là, allez voler, non. Ou bien allons à deux, à trois. Prends quelque chose. J'avais eu ma délivrance sous le main. J'avais eu des enflements partout. Je me courbais sur le banc avant de rester dans la classe. J'avais dit que c'est moi qui suis parti. Mon âme, c'est moi qui ai fait que tu souffres de la sorte. Les gens dormaient, mais moi, je n'avais pas voulu dormir. À 23 heures, une heure, j'étais parti pour voler. Alors, vous qui allez rester, n'accusez personne. Que c'est Kofi, c'est celui-ci, c'est Jésus. Non, n'accusez personne. Dis que c'est toi qui as eu tort. Que c'est toi qui as eu tort, c'est pourquoi tu es resté. Et celui qui était derrière moi, les fortifiait. Que savez-vous que ce qui va arriver, que... À ce moment, ne vous accusez pas. Il faut se partager à deux. Immédiatement, il s'est déshabillé. Et on dit, les gens disaient, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, je dois le faire. Parce qu'on va nous déshabiller, c'est ce qui nous attend. Et immédiatement, il a dit de lui donner un coupe-coupe. On lui a donné un coupe-coupe. Il a coupé sa main, son bras. Et le bras sautait, bam. Il a dit, nous devons nous faire comme des cabrimons. C'est coupe-coupe, quoi que ce soit, le bras sautait sur la terre. Les gens commençaient à crier, à pleurer plus fort, à crier plus fort. Les gens criaient, les gens pleuraient. Ils avaient des cris partout. Les gens pleuraient. Il leur a dit que ce n'est pas une question de pleurs. Et immédiatement, quelqu'un est venu. C'est un musulman. Il a dit qu'il est un musulman converti. Il est venu. Il a dit... Que faites-vous ici? Quelle chose de folie! Quelqu'un va prendre pour couper son propre bras. Pourquoi? Notre master, notre chef, voyez-vous qu'il fait la paix avec tout le monde? Il est cool. Arrêtez toutes ces choses-là et recevez la marque de la bête 666. Vous serez libre, vous serez à l'aise. Dans le rêve, ce musulman converti, les femmes, il avait des femmes qui l'entouraient, beaucoup de femmes qui l'entouraient. Oh! Il y avait des femmes qui l'entouraient. Lui, il avait déjà reçu la marque de la bête. Les femmes aussi avaient reçu la marque. Ils faisaient leur accouplement à la mode. Est-ce sa femme ou bien sa côte? Je n'en sais rien. Il lui disait, je ne crois jamais sur la qu'on appelle paix des nations. Quand je le vois, je le déteste. Mais c'est celui-là qui a partagé mes CD dans les radios, dans ce monde, dans ce pays, à Takpamé. Il a distribué mes CD. Mais aujourd'hui, c'est celui-là qui se dit qu'il ne me croit pas. Et on lui a demandé pourquoi. Il a dit que c'est un escroc. Moi, je ne le crois pas. Regardez, il a menti ici. Comment est-ce que quelqu'un peut être le père des nations? Comment est-ce que le monde s'est amené à la dîme? Même tout ce que j'ai dit et s'est accompli, même lui ne croit pas. C'est pourquoi lui veut nous dire que ma femme, c'est comme ça qu'il parlait à cette dame. Suis-moi, ne fais pas ce que ces cons la font. Celui qui était derrière moi savait que c'était déjà dur. Les gens recevaient déjà les marques. Et il leur disait, persévérons-nous, déshabillons-nous. Oubliez cela, cachez vos sexes, tout cela, non, parce que tu n'es pas parti. Cherche le moyen par lequel tu vas payer ton âme. Alors la femme lui disait, alors c'est le rêve là que j'avais eu, que mon mari passait dans la boue
Et il me tirait de venir dans la bouche, j'ai refusé. Alors c'est ça là, le rêve. Oh, cet homme a tué tous ses enfants. Quand le moment des tortures est arrivé, on torturait les gens. Cette femme a démissionné. Il a reçu 666. Ses enfants se l'ont reçu. Mais pour ses enfants, ça m'a fait mal. Ça m'a dérangé. Et j'ai dit, hey, ce qui arrive, personne ne peut résister. Personne ne peut résister. Cet homme insultait les gens en leur disant que êtes-vous plus beau que notre master, notre chef Satan? Il est ange de lumière, le master des masters, le plus beau de tous, le chef des chefs. Il est plus beau même que Jésus-Christ. Il blasphémait le Saint-Jésus-Christ. On disait que lui, il a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit au moment où lui persécutait les petites nations. Et la femme là disait, alors tu m'as trompé que Jésus-Christ t'a parlé que Père des nations est Satan. Alors c'est du mensonge. Et il a dit, enlevez le nom de Père des nations là. Tu n'as pas vu que lui et Jésus-Christ, ils ont fui. Le monsieur était très fier, mais sa belle-mère a dit, ils ne savent rien. Moi, j'ai la sorcellerie. Je ne vais même pas aimer ceux qui aiment le juste là. Et la dame là lui disait, ma maman, alors tu étais sorcière? Et sa maman lui a dit, si j'ai la sorcellerie ou pas la sorcellerie, tu le verras bientôt. Alors tu sauras si ma sorcellerie ou bien la sorcellerie de ton chef dépasse ma sorcellerie. Bien-aimé, je ne sais pas comment décrire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Quand cela a commencé, je prie maintenant parce que je sais que le jour-là, la Bible ne va plus fonctionner. La prière ne va plus fonctionner. Toutes les écritures vont disparaître. On va prendre toutes les feuilles pour les papiers toilettes. On va brûler toutes les Bibles. Exactement ce que j'ai vu dans le rêve. YouTube, on a supprimé tous nos témoignages. Ou bien les prédications, on les a remplacées avec la pornographie en direct, WhatsApp, les chaînes de télévision. Tu vas écouter les cris d'accouplement. Les gens sont nus, ils marchaient nus dans la rue. Les démons, vous allez les voir face à face, Satan vis-à-vis. Et on a pris tous les enfants de Dieu. Ils avaient des appareils qui les aidaient à pouvoir vous localiser partout où vous trouvez, sur les montagnes, sous les montagnes, sous l'eau, partout, sous la terre, dans les arbres, dans les forêts. Les soldats qui sont sur cette terre, si vous voyez comment ils sont zélés, ils aidaient Satan à attraper les chrétiens. Bien-aimés, si vous voyez ce qui s'est passé, on va dire, hein, c'est vous qui insultez les pères des nations. Alors, en ce moment, Satan leur disait la vérité. On a attraper beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, des enfants. On les a regroupés. Oh, les femmes enceintes. Vraiment, la Bible a dit malheur aux femmes enceintes. On les amène un à un. Celui qui était derrière le Père des Nations, on lui a demandé, vas-tu régner Jésus-Christ ou bien tu vas recevoir la marque de la bête et que ma colère ne soit pas contre toi. Il ne leur disait rien. On l'a dit, on te pose la question, est-ce que tu vas renier Jésus-Christ ou bien tu vas recevoir si tu as choisi? Il a dit qu'il ne va pas renier Jésus-Christ. J'ai vu que dans le rêve, il chantait une chanson, que Jésus, c'est toi seul, nous allons prendre le sang pour acheter nos âmes. Jésus-Christ, à cause de toi seul, nous allons prendre le sang pour acheter nos âmes. Parce qu'il n'y a pas un Dieu qui nous a aimés comme toi, Jésus-Christ, à cause de toi seul, nous allons prendre nos sangs pour racheter nos âmes. Jésus-Christ, à cause de toi seul, nous allons prendre nos sangs pour racheter nos âmes. Il n'y a pas d'autre Dieu qui nous a aimés comme toi, Jésus-Christ. Jésus-Christ, à cause de toi, nous allons prendre nos sangs pour racheter nos âmes. Il y avait des pleurs. Et une chanson aussi, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Et la croix est devant moi. Le monde est derrière moi. Il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de retour. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Que je vais prendre mon sang pour racheter mon âme. J'ai fait une promesse à Jésus-Christ que je vais prendre mon sang pour racheter mon âme. Il n'y a pas de tout. Il chantait avec des pleurs. Mais il n'y avait plus le Saint-Esprit. C'est lui qui était derrière moi. On a enlevé ses yeux. Imagine le faire chaud
enlever tes oreilles, tes yeux, tes ongles, on enlève ta peau et le pénis des démons avec des épines, ils le sont en train de sodomiser. Il s'est laissé que ce qu'il veut qu'il fasse de lui, ce qu'il fasse, on le maltraitait. Celui qui était derrière moi, on le maltraitait. On le maltraitait. On le maltraitait. Il n'a pas renié Jésus-Christ. Il chantait seulement. On a multiplié les démons, Satan, mais zéro. On a dit, toi, tu déposes les vidéos sur Internet, les âmes que nous avons attrapées, vous avez reçu les âmes avec la vérité. Toi, tu es resté. Je vous dis, ce juste-là et le Père des Nations-là, qui l'appelle Père des Nations, vous qui le suivez, si lui part et que vous restez, si je vous prends, même si vous recevez 666, je vais vous traiter. Tous les démons l'ont touché, tous les démons le battaient. Tous les démons le tapaient, le frappaient, le maltraitaient. Nous, on allait arrêter le Père des Nations, on allait prendre le Père des Nations aussi. Mais toi, tu fortifies le Père des Nations, vous vous fortifiez entre vous. Vous devenez plus courageux. Si on envoie le maçon pour troubler les gens, vous passez par tous les moyens pour ramener les gens, pour expliquer les choses aux gens et que les gens reviennent à la vérité. Et les gens disent, alors si les gens étaient comme ça, nous, on ne sait pas. On le frappait. On le mettait sur la voiture. C'est quand c'est du Burkina, on met du goudron qui bouillonne. On met la personne dans le goudron. La personne crie dans le goudron. On l'a traîné partout. Il a dit qu'il ne va jamais revenir Jésus-Christ. Qu'il ne va jamais démissionner. Qu'il ne va jamais démissionner. On l'a maltraité. Les femmes ont eu peur. Quand on torturait les hommes, les femmes avaient eu peur. Une femme dans le rêve, j'ai vu que les démons étaient venus se coucher avec elle. Son mari pleurait. Il ne voulait même pas que les démons touchent sa femme. Et il disait, les démons, laissez-moi, je vais vous taper. Et les démons lui ont dit, tu veux nous taper? Bon, viens. Le pénis des démons, c'est des épines. Et leur sperme, c'est du serpent et des scorpions. Si un scorpion t'arrive à piquer, la douleur, là, tu vas voir. La douleur de l'enfer, ce sont ces démons qui sont là, qui torturent les gens. Et ils ne bougent pas, ils ne travaillent pas encore. On les prépare pour pouvoir traiter les gens, maltraiter les gens. Ils sont très durs, méchants. Et ce monsieur est venu se boxer avec le démon. Quand un démon a coupé son bras, il a commencé à crier, oh, il m'a tué, il m'a coupé le bras, il a coupé mon bras. On se couchait avec sa femme. Et la femme disait, oh, tonton, oh, on est resté. Tonton, je ne peux pas supporter. Hein. Il a dit, ne prends pas, ne renie pas Jésus-Christ. Il a dit, je vais prendre. Et immédiatement, on a écrit 666 sur son front. Quand on est tombé sur l'homme-là, c'est lui qui voulait frapper les démons. Il demandait pardon aux démons. Quand on a torturé, il a reçu le 666, il a remis Jésus-Christ. Il disait, qu'est-ce que tu as fait à ma femme? Je vais te le montrer, je vais te le rendre de retour. Toi qui es chrétien, si tu reçois 666, les démons vont t'utiliser à pouvoir torturer tes frères. Les gens torturaient les frères pour que Jésus reçoive la marque de la bête. Il y avait une femme dans les rêves, elle aussi recevait ma parole. Quand la trompette a sonné, elle a raté là parce que les gens l'ont séduit. Les démons ont dit, on t'a lu au travers le mensonge parce que vous voulez plaire aux gens. Vous ne voulez jamais plaire à Dieu. Vous ne craignez pas les yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous êtes resté. Pensez-vous que c'est vos dîmes qui fait que le Père de la Nation est là? On vous a utilisé pour que vous puissiez rester. Vous parlez, vous bavardez. Le non-respect, l'arrogance, les démons l'ont torturé. Il a dit non. Elle est prête de ne pas recevoir la marque. Elle disait à son copain, hey, Coco, toi aussi, ne renie pas Jésus-Christ. Ne renie pas Jésus-Christ. Ne renie pas Jésus-Christ.
quand on se couchait avec elle, l'homme souffrait, les démons, ne lui fais pas du mal, laissez-la, je l'aime plus que Jésus-Christ, je l'aime plus que Jésus-Christ, parce que c'est elle qui est ma patronne, tout ce qu'elle me dit, c'est ce que je fais, au travers d'elle, j'ai reçu Jésus-Christ, alors laissez-la, 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 toi tu aimes ta femme plus que Jésus-Christ, tu aimes ta femme plus que Jésus-Christ, quand la pluie, on a pris le feu chaud, on a levé ses yeux, il a crié, j'ai régné Jésus-Christ. Jésus-Christ, on l'a enlevé seulement un seul œil, il a régné Jésus-Christ. Et on a écrit 666 sur son front. Et la dame aussi, on a levé ses ongles, on a enlevé ses deux yeux. Elle est courageuse. Pour on a enlevé sa peau. Quand on a mis le pénis des démons, plus long, avec des épines, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les démons se couchaient avec elle et le sperme, c'est du scorpion, quand le scorpion rentrait dans son vagin, elle a crié, oh, non, j'ai régné Jésus-Christ. Elle a régné Jésus-Christ. On a écrit 666 sur son front et son corps est apaisé et la douleur est disparue. Elle a commencé à crier, oh, que si tu as une bonne femme, tu ne sauras jamais son prix. Mais quand tu l'as renvoyé, c'est de là que tu sauras qu'elle est chère. Que le Père des nations, Dieu a voulu passer par lui pour nous amener au ciel. On n'a pas reconnu son prix. Aujourd'hui, on a reconnu son prix. Oh, quel malheur. Alors, tout ce que j'ai fait, tout ce qu'elle a fait là, c'est zéro. Elle n'a rien. Elle n'a pas de l'argent. Elle n'est pas riche. Elle n'a pas d'argent. En tant que tel, et on va dire qu'au moins tu as de l'argent en gogo. Non, qu'elle n'a pas de l'argent, elle n'a pas d'enfant, elle n'a rien. Et son âme aussi n'ira pas au ciel. Et son âme aussi n'ira pas au ciel avec des pleurs. On a dit. La fin de vos. On a dit, c'est là. Vous allez prendre vos sang pour acheter vos âmes. Parce que vous ne pouvez pas. Parce que les femmes ne peuvent pas. Les femmes ne peuvent pas. Il y a une femme, elle ne peut pas. On a levé ses dents. Elle n'a pas pu supporter. La manière dont tu as tué cette femme, les démons ont dit, on t'a eu. C'est toi qui as dit. Tu disais aux gens, amenez vos offrandes, vos dîmes. Hein? La manière dont les gens criaient, insultaient les peuples des nations. Les peuples des nations s'est ressaisi, il a fait l'œuvre de Dieu. Tout le monde entier a amené leur offrande, leur dîme. Vous voulez ou pas ce que Dieu a dit sur la vie des pères d'Azan sera accompli. Cette femme, les démons se moquaient d'elle. La manière dont les démons ont pris leur pénis, ils ont pénétré leur pénis dans son sexe, les scorpions l'ont piqué, elle a démissionné. Oh! Elle a dit que, oh, à cause des compagnies, les gens me disaient, c'est ça, les pères d'Azan, c'est ici, les pères d'Azan, c'est ici. Satan l'a eu au travers le rêve et son âme est détruite. Elle priait. Les 144 000 personnes qui sont les fils d'Israël, là où Jésus-Christ est né, et ceux-ci écoutent mon message. Ils savent que je dis la vérité, mais ils n'ont pas fait le pas. Ils reçoivent le message et ils vivent le message, mais ils disaient qu'ils ne savent pas celui qui était derrière moi. Ils avaient des doutes, ou bien la méfiance, parce que les Israélites, ce sont des gens qui sont méfiants. Ce sont des gens au courroies. Ils peuvent voir la vérité devant eux, mais ils sont méfiants. Ils ont leur caractère à part. Alors, ils étaient comme ça. On les torturait aussi. Eux, on les a torturés d'une manière ou d'une autre. On prenait des gens pour faire des sauts. Pour aller puiser du feu dans le puits. On mettait les gens dans le puits. Le puits, c'est comme du feu ou bien de l'huile bouillante. Quand on te met dans le puits, tu vas crier très fort. Alors on te tire, on te donne 666. Les 144 000 personnes, israélites, on les a torturés d'une manière ou d'une autre. Ils n'ont pas démissionné. Ils ont acheté les âmes avec le sang. J'ai pris que celui qui sera derrière moi, si c'est à cause des gens qui fera qu'il ne sera pas enlevé, alors on va donner la nourriture du chien. Nous allons prendre la nourriture du chien. Alors on va changer le calendrier. Si son âme sera périe, nous allons changer le calendrier. Jésus-Christ va changer le calendrier.
Le système que Jabin a mis en place, si celui-là va souffrir à cause des âmes, et les âmes vont dire que celui-ci va dire qu'il ne l'aime pas, celui-ci va dire que lui l'aime. Et Satan va faire que, à partir de toutes ces choses-là, les âmes vont rester. Je préfère que si lui part et toutes les âmes restent sur cette terre, c'est mieux. Il a souffert, il s'est ressaisi, il a travaillé pour le Seigneur. Il ne veut pas rester. Si il le faut, cela va arriver, Seigneur, que le calendrier change. Nous allons changer le calendrier, on va changer le plan au nom de Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ est né, les 144 000 personnes. Si vous avez vu comment on s'est torturé, oh, ils n'ont pas démissionné. Ils n'ont pas démissionné. On tirait les gens dans les goudrons. Ils n'ont pas démissionné. Les gens cherchaient à prendre des médicaments pour mourir. Les médicaments n'ont plus de prix, de valeur. Tu peux prendre les médicaments, tu ne peux pas mourir. Les gens cherchaient la paix, mais il n'y avait pas la paix. La douleur intense était sur le monde. Il y avait des cris partout sur la terre. Tout ce que Dieu a mené au ciel et en enfer, dans le monde entier, il y a une seule personne qui a trouvé l'enlèvement. Qui a trouvé part à l'enlèvement. Il était une femme qui est Marguerite Amouret du Nigeria. Parce qu'elle avait pris une décision, elle a quitté le Nigeria. Elle est venue rester en Israël spirituel. Et le Père des Nations a permis, a prié pour elle. Et que son âme est importante. C'est la seule personne qui était parmi ceux que Dieu a amené en enfer et au ciel, qui a trouvé part à l'enlèvement. Elle a tout laissé de côté. Elle s'est repentie. Parmi les millions de millions que le Seigneur Jésus-Christ a amené en enfer au ciel, le non-respect, l'orgueil, les femmes sont devenues orgueilleuses, les femmes s'enflent comme des crapauds, les évangélistes sont devenus comme des crapauds, les évangélistes sont devenus comme des crapauds, cherchant à renverser les poids lourds. On les mettait dans des puits, on les fait comme des seaux. Si on les met dans le puits, si lui la chopia, il crie, oh, nous on ne veut plus recevoir Jésus, on ne veut plus recevoir, il reçoit 666. Tous ces gens qui sont partis en enfer aussi, et les démons leur disaient, Dieu a dit que c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Que depuis vos anciens, vos parents, vous êtes égarés, éloignés de mes lois. Vous dites, pourquoi égarés? Vous me trompez. Et il dit, pourquoi dire que on te trompe? Et Dieu a dit, est-ce que l'homme peut tromper Dieu? Vous trompez Dieu, vous voulez dire au travers vos dîmes et vos offrandes. Ceux qui vont donner leur offrande et leur dîme, je vais ouvrir les éclipses des cieux et je vais menacer les destructeurs. Que la malédiction, que vous êtes maudits, vous êtes frappés. Vous êtes des gens de la malédiction. Éprouvez-moi, donnez-moi vos offrandes, vos dîmes. Que depuis vos parents jusqu'à maintenant, vos parents donnaient leur dîme à Satan. Ils ne croient pas. Alors, Satan et ses démons leur disaient, Dieu respecte sa parole. Il a dit que le monde entier amène leur dîme et leur offrande au Père des Nations. Pensez-vous que c'est à cause des dîmes que le Père des Nations va aller au ciel? Non. Quand Jésus-Christ l'a dit, il a dit, l'argent venait pour Jésus. Et vous dites que le petit, la 32 ans, dit que le Père des Nations, c'est nous qui avions mis ces choses dans vos bouches. Dans la Bible, Josias n'avait-il pas 8 ans pour devenir roi? Il n'y avait pas des enfants qui ont 7 ans pour devenir roi? Abraham, quand il était chez ses parents, le nombre d'années qu'il a eu dans sa maison, dans la maison de ses parents, pourquoi Dieu ne l'a pas appelé à l'âge de 8 ans? Non. Dieu sait que le cœur qu'il a, s'il écoute sa voix, il va l'obéir. Que quand il a écouté la voix de Dieu, le même jour, il a quitté. Il a su la voix de Dieu. Il n'a jamais vu Dieu. C'est pourquoi Dieu a fait de lui le Père des Nations. Si vous voyez l'année qu'il a et Dieu l'a rencontré, faites les calculs. Jérémie, étant de Jérémie, c'est pas Jérémie seul que Dieu a choisi. Il n'avait fait-il pas des faux prophètes? Quand Dieu dit au roi de se repentir, les faux prophètes disent non, oh, Jérémie est en train de mentir. Jérémie a dit, l'année prochaine, tu vas mourir. Est-il mort ou pas? Jérémie, seul Dieu a choisi. Autant de Jérémie, c'est, autant de David, c'est David seul que Dieu a dit, l'homme selon son cœur.
Quand Dieu parle, il parle. Il y a un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. De Genèse à Apocalypse, c'est comme ça. Au temps de Noé, Dieu a trouvé Noé seul. Et Dieu a passé par lui pour sauver ta famille. Au temps de Noé, Dieu a dit que cela va arriver. Et Dieu a sauvé le peuple des nations. 32 ans, 30 ans, qu'il a le peuple des nations. Dieu l'a fait, le peuple des nations. Les gens ne veulent pas. Genèse 12, verset 2 à 4. Que ceux qui ont béni Abraham seront bénis. Ceux qui maudissent Abraham seront maudits. Dieu dit que ceux qui m'appellent le père des nations, Gabriel, il est maudit. Ils ne seront pas enlevés. Les gens disent que c'est du mensonge. Ces gens, personne d'entre eux n'est enlevé. Personne d'entre eux n'est enlevé. Allez, Dieu ne parle, hein. C'est ça qu'ils disent. Dieu ne parle, hein. Dieu ne parle. Hein. Nous, on est ici au nom des pasteurs. Hein. Le Saint-Esprit nous utilise. Personne d'entre eux n'est pas parlé. Les témoins de Jéhovah, zéro. Pentecôte, zéro. Assemblée de Dieu, zéro. Catholiques, eux, ils sont pour la bête. Ils s'enjolissent pour la bête. Quand Satan est venu, Satan passait par eux pour leur dire qu'il est pape. On ne t'a pas dit que c'est catholique qui est la première église. Les enfants de William Branham, personne d'entre eux n'est parti. William Branham, ses enfants ont dit, oh, on a dit qu'il est parti en affaires. Les gens disent, oh, si William Branham est parti en affaires, alors Jésus-Christ est parti en affaires. Les sept personnes aussi doivent aller en affaires. Et les apôtres aussi doivent aller en affaires. Alors tous ces gens-là ont péché contre le Saint-Esprit. Et s'ils m'écoutent, ils peuvent prier. Ils sont péris pour toujours. La trompette va sonner. Si tu as su que tu n'es pas enlevé, et tu as su que c'est ça qui a fait que tu n'es pas enlevé, alors ce serait vert pour toi. Alors fais tout pour être du côté de Satan. En ce moment-là, certains sont dans la maison de Père des Nations, ils ne sont pas partis. Parce que j'ai vu que quelqu'un venait maltraiter une femme devant la sa soeur et la dresser sa soeur. On se couchait avec les fiancés des gens. Lui n'était pas parti. Avant de faire quelque chose, il faut demander la permission. Il faut aller faire la chose avant de demander la permission. Des petites choses. Les gens sont restés. Satan et les démons les disaient. C'est ça que tu as fait, tu es resté. C'est ça que tu as fait, tu es resté. En ce moment, Satan ne mentait plus. Satan disait la vérité aux gens. On vous a dit dans l'Apocalypse que je suis rempli de colère. Pensez-vous que c'est de la pagaille? J'étais rempli de colère. C'est ce que Satan disait. Il y avait du sang partout. On enlève les yeux des gens. Il y avait des yeux partout. Comme des quoi là? Des graines, des pierres. Ceux qui insultent le pédération sur YouTube, qui est pornographe, il est ceci, 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 ceci. On a pris des hameçons, on tirait leurs testicules, on enlevait leur corps, on épilait leur peau. Ceux qui n'ont pas écrit leur nom en Israël spirituel, on prenait des hameçons pour attacher à leur sein. Ceux qui disent qu'ils sont des blancs, de différentes couleurs, on les torturait, on les maltraitait. Les gens criaient, les gens qui appellent les personnes escrocs. Satan l'a dit à 1h que ceux qui ont reçu le message pour aller au ciel, qui va les pousser tous à pécher contre le Saint-Esprit. Et effectivement, des milliards ont péché contre le Saint-Esprit. Ont péché contre le Saint-Esprit. Et Satan a fait tout possible pour payer, racheter leur âme. Et finalement, Satan leur a dit, vous, je sais que vous êtes des barbares. Si je n'avais pas prié que vous avez péché contre le Saint-Esprit, si je n'avais pas prié au travers mon fils Benoît, au travers mon fils Georges Naman, ma fille Kai, mon fils Aluka, ma fille Dela, Anthony, j'ai eu des problèmes. J'ai passé par mes pasteurs, mes enfants évangélistes, j'ai eu des problèmes. J'ai passé par vous pour vous attraper que le Père des Nations c'est mauvais. Amen.
pas écouter. C'est ce que disent les démons. Le Père des Nations, quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il fait sa volonté. Chaque temps, le Seigneur Jésus-Christ appelle son cœur. Quand le Seigneur appelle son cœur, ça nous fait mal. Parce qu'il voit l'endroit, la place que le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner au Père des Nations. C'est pourquoi il vous a utilisé pour pécher contre le Saint-Esprit. J'ai tout fait, mais vous avez refusé de recevoir la marque. Ce que Satan a utilisé pour pousser les gens à pécher contre le Saint-Esprit, ils sont morts. Les gens sont passés casser leur tombeau pour faire sortir leurs os, pour briser leurs os. Leur famille aussi, c'était vraiment terrible. Les pasteurs qui parlent, qui soutiennent les rapports sexuels animaux, ne sont pas partis. Les pasteurs ne sont pas partis parce que quand l'Israël spirituel est venu et l'Église est devenue unique, il crie, il appelle Père des Nations, Père des Nations, Père des Nations, Père des Nations. Ils font semblant qu'ils respectent le Père des Nations. Ah, on a fermé nos églises. Nous essayons d'en faire aussi à l'église comme des fidèles. Ça leur fait mal. Quand la trompette a sonné, ils ne sont pas partis. Ils sont restés. Ceux qui, s'il leur plaît, ils donnent leur dîme à celui-ci. S'il leur plaît, ils donnent leur dîme à celui-ci. Que le Père des Nations aura faim. Tous ces gens, ça ne sont pas partis. Je vous le dis. Si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui m'a dit de dire au monde entier d'amener leurs prémices, leurs offrandes au Père des Nations, je ne vais pas vous dire ces trucs-là. Mais si je ne vous le dis pas, si moi aussi j'arrive au portail du ciel, quand j'étais dit de dire aux gens de donner leurs offrandes au Père des Nations, leurs dîmes, leurs offrandes, leurs prémices, est-ce que tu l'as dit? Je dirais, Père Jésus-Christ, je n'ai pas dit, parce que si je leur disais ça, ils vont dire que je cherche de l'argent, c'est pourquoi je n'ai pas dit. Je leur ai dit de prier, de demander à Dieu. J'étais dit de leur dire. Alors, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pourquoi je l'ai dit. C'est pourquoi je l'ai dit. Mais je l'ai dit, vous ne voulez pas écouter. Bon, vous ça ne viendrez pas sur ma tête. Vous avez entendu ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit de vous dire. Maintenant, je te dis, ne donne plus la dîme au Père des Nations pour voir s'il aura eu faim. Ne donne plus la dîme pour voir si je vais aller au ciel ou pas. Ne donne plus la dîme. Penses-tu qu'à cause de cette dîme de pauvre qui va m'amener au ciel? Pensez-vous que si on prend tous les biens de ce monde entier, tous les ors dans ce monde entier, on lève l'assemblée qui va m'amener au ciel? Ne donnez plus vos dîmes. Je vous ai dit ce que Dieu m'a dit de dire et ce qu'on doit faire avec l'argent que Jésus-Christ m'a dit de dire. Je l'ai dit. Si vous lisez dans le témoin de Josias, il a dit que tout ce que les gens donnent comme dîmes, je prenne cela pour faire l'œuvre de Dieu. Alors vous asseyez, vous dites des bêtises, il est tombé, Dieu n'est plus avec lui. Moi je vous ai pardonné, mais à la fin, si vous n'êtes pas enlevé, si la trompette a sonné, vous n'êtes pas enlevé, prenez vos sangs et achetez vos âmes. Mais si vous péchez contre le Saint-Esprit, alors sachez-le que vous êtes des enfants de la perdition, parce que vous êtes comme des chiens. Ils pissent ici, pium, 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 au lieu de pisser en un seul endroit. Vous refusez. Alors les conséquences, vous le verrez. Ce qui coupe le pénis du cheval est dans son ventre. Dans Psaume 11, il vomit, il remange ce qu'ils ont vomi. Quand Satan a dit dans une heure, dans l'au-delà, qu'il va pousser les enfants de Dieu qui vont aller au ciel, son dernier combat, c'est de le pousser à pécher contre le Saint-Esprit. Alors, que tu connais déjà la vérité, mais tu doutes encore. Tu connais déjà la vérité. Mais toi qui connais la vérité, que tu dis aux gens, tu te lèves contre la vérité. Et tu dénigres la vérité. Oh, que celui-là, c'est un sataniste. Et donc, l'esprit de Dieu est dans la personne. Et tu l'attaques. Alors, sache que tu blasphèmes. Tu blasphèmes. Étienne a dit qu'il a vu le ciel ouvert. Et il a vu le fil des yeux sur le siège. On a dit que c'est Dieu blasphème. On l'a lapidé. Ils ont fermé leurs oreilles. Malgré Étienne a prié pour eux que son sang ne vienne pas sur la tête. Ils ont péché contre le Saint-Esprit. Mais une seule personne que Étienne a pu sauver, sa prière a sauvé, est Saul, qui est devenu Paul. Toi qui connais la vérité, et tu es devenu envieux. Tu veux détruire la personne. Tu fais des trucs. Et tu pousses les gens à croire. Sache que tu t'es tué. Les obstacles vont venir. Les obstacles vont venir. Mais malheur, par qui viendra ces obstacles?
qu'il serait bien meilleur, plus meilleur, qu'il soit né, qu'on met de la pierre à son dos et qu'on le pousse à la profondeur de la mer. Alléluia. Je vous ai dit, tout le monde a écouté dans le monde entier, mais quand Satan est arrivé, il l'a fait, il a encore attrapé les gens. Si ce que Satan va prendre pour tuer, Dieu l'a révélé, on te le dit, mais tu vas prendre cette même chose pour t'entretuer. Ceux qui ont péché contre le Saint-Esprit, ils sont comme des porcs. C'est du gingembre qui tue le porc. Le porc sait que c'est le gingembre qui va le tuer. Mais il va le manger. Quand il le tue, il le trouve à le manger. Moi-même, j'ai fait un champ de gingembre. J'avais acheté du gingembre. Je l'ai mis dans la laitue. Les porcs sont venus. Ils savent que les gingembres vont les tuer. Mais ils ont mangé les gingembres. Ils sont morts sur le champ. Ils sont morts sur le champ. Quand tu pèches contre le Saint-Esprit, tu vas mourir sur le champ. Mais tu vas mourir. Mais tu croiras que tu es vivant. Dieu l'a dit dans Psaume 105, verset 15, ne touche pas à mon œil. C'est une loi. Non, 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 non. Il est comme ça. Gabriel est comme ça. Hein? Gabriel est comme ça. Il est comme ça. Tu as touché loin de Dieu. Tu es détruit. Peut-être toi, tu n'as pas Jésus-Christ. Et tu le fais. Tu as reçu Jésus-Christ. Tu vas le confesser comme Saul qui est devenu Paul, mais certaines personnes le savent très bien que ce qu'ils font n'est pas bon. Ils sont en train de mentir pour détruire l'œuvre de Dieu. Ils sont des agents, des serpents, des vipères, des morts. Ces gens-là, c'est fini pour eux. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. C'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Ils sont vivants, mais ils sont en enfer. Ce n'est pas d'eux que je parle, mais les enfants de Dieu qui font des murmures. Hein? Celui-ci ne va pas faire ça. Celui-ci ne va pas faire ça. Celui-ci ne va pas faire ça. Qu'on fait que les gens sont restés. Alors vous faites-vous comme des cabris morts et rachetez vos âmes avec vos propres sang et allez au ciel. Certains passés sont restés. Parce qu'il y a des prophéties dans l'église, mais ces prophéties ne viennent pas de Dieu. Toute l'église est restée. On frappait la prophétesse, le prophète. Non, il ne faut pas les frapper. Parce que Satan vous a attrapé tous. Vous n'avez pas l'esprit de discernement. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Que si quelqu'un prophétise, qu'il y a quelqu'un qui doit interpréter. Quelqu'un doit avoir l'esprit de discernement pour l'interpréter. Si quelqu'un parle en langue, quelqu'un doit être là pour expliquer. S'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter, arrêtez toutes ces choses-là. Il y a des prophétesses, des prophètes, Drasson est parti. Il veut frapper les prophétesses, les prophètes. Satan va vous dire la raison pour laquelle vous n'êtes pas parti. Oh, certains ont dit, oh, nos enfants sont mariés aux blancs, oh, les parents voient, ils ne disent rien, mais quand la trompette a sonné, ils sont restés. On a mis des barres de fer chaud dans leur vagin. On les découpait en morceaux. Certains Togolais, ils ont quelque chose en eux. L'envie, la jalousie, la sorcellerie. Les Togolais n'aiment pas que leurs frères progressent, que son frère soit détruit et qu'il soit bon pour lui. Hein? Tous sont restés. Et ils ont acheté leur âme avec leur sang. Ce que Jésus-Christ m'a montré. On va te tirer dans l'huile chaude. Tu ne peux pas. On fait la bouche ici. Il y a des cris partout. Alors, bien-aimés, faites attention. Je ne viendrai jamais un jour pour te dire, oh, toi, tu sais, j'ai faim. Envoie-moi 1 million pour que je puisse manger. Manger. Qu'est-ce que je n'ai jamais mangé? Quel type d'habit? N'ai jamais porté chaussures. Qu'est-ce qui fera que moi je vais mentir et rester et ne sois pas enlevé? Et on ne fait pas bien l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est comme ça. L'œuvre de Dieu est comme ça. Est-ce que c'est toi que Dieu a établi juste? Est-ce vous que Dieu a établi juste sur un de Dieu? Dieu m'a dit que je vais me promener sur 238 pays. Il n'est pas encore temps. Je vais commencer à dévancer Jésus-Christ. 5 500 villes. Il n'est pas encore temps. Voulez-vous que je dévance le Saint Jésus-Christ? Le reste est d'embêtement. Hein? On ne se moque pas des yeux, orgueilleux.
À cause de vos infra que vous avez, vous vous moquez de Dieu. Ça veut dire quoi ça? Est-ce à vous d'apprendre à Dieu ce qu'il doit faire?